Salut à tous, bienvenue sur la chaîne GC Compare, le nouveau nom de la chaîne qui reflète sur le domaine de la chaîne banque, fintech, budget et tech. Donc, pour cette nouvelle vidéo, nous allons donc parler de Nickel, Nickel qui n'en finit pas d'innover, Nickel qui va encore vous simplifier l'ouverture de votre compte. Eh bien, on voit ça juste après le générique. Le compte Nickel, qui a été ouvert en 2014 afin d'acquérir un compte pour les interdits bancaires, n'en finit pas de satisfaire beaucoup de clients. Avec 3,8 millions de clients, le compte Nickel séduit toute partie qui souhaite y ouvrir un compte, que ce soit les interdits bancaires, que ce soit les personnes qui souhaitent quitter les banques, que ce soit toute personne qui souhaite y ouvrir un compte chez Nickel, puisqu'il faut savoir que Nickel n'est pas une banque, mais Nickel est un compte de paiement pour être payé et payé. Fort de son succès, le compte Nickel propose donc une carte avec différentes offres. Donc, vous avez différentes cartes, comme vous pouvez le voir, d'une offre standard à une offre métal. Le compte Nickel s'ouvre en point de buraliste, auquel ils ont 7 500 bureaux de tabac partenaires Nickel, auquel vous récupérez votre carte dès que vous avez ouvert votre compte. Mais Nickel n'est pas que fait pour la France, puisque Nickel s'est déporté dans plusieurs pays européens, comme par exemple la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Il est donc acquis pas mal de ces pays auxquels un bon grand nombre de clients en sont aussi satisfaits dans ces pays. Surtout en cas d'exclusion bancaire, où il faut savoir que maintenant beaucoup d'endroits n'ont plus la possibilité d'avoir des guichets ni des banques car elles ferment à tour de bras, je parle de la Belgique, auquel en Belgique ils ont amplement le compte Nickel comme solution pour pouvoir avoir de l'argent et pouvoir déposer du liquide ainsi que de retirer du liquide. Car il faut savoir que le compte Nickel, c'est la disponibilité chez le buraliste de déposer de l'argent liquide, de retirer de l'argent liquide, mais aussi c'est la possibilité chez Nickel de pouvoir faire de l'envoi en partie étrangère. C'est-à-dire si vous voulez solliciter, envoyer de l'argent en Suisse, en Allemagne ou bien aux États-Unis, vous pouvez le faire avec Nickel. Nickel, ce n'est pas que la France ni les pays que je viens de vous citer, c'est aussi disponible dans la plupart des pays de l'outre-mer. Donc vous avez la possibilité en outre-mer, si vous avez un point Nickel, d'y ouvrir un compte Nickel. Le compte Nickel qui est donc au niveau sécuritaire, puisque certains penseront que leur argent n'est pas en sécurité, est donc sécuritaire au niveau de votre argent, puisqu'en 2017, le compte Nickel a été racheté par la BNP Paribas. Fort de son point, la BNP Paribas, chaque année, a un point où elle revient sur son chiffre de l'année. Fort de son chiffre d'affaires chaque année, le côté banque BNP assure la protection du compte Nickel. Mais la BNP Paribas n'a pas que le compte Nickel en sa possession, elle a aussi et le banque, la banque en ligne. Le compte Nickel est donc tout à fait sécurisé pour y mettre votre argent. De ce fait, pour y mettre votre argent, le compte Nickel dispose donc d'un compte de cantonnement au sein de la BNP Paribas. C'est au cas où la BNP Paribas venait à faire faillite, c'est elle-même qui vous fournirait la fameuse licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros. Le compte Nickel qui a fait en sorte de vous sortir aussi des petites options en 2023, Apple Pay qui n'était pas dispo, mais qui on attend encore Google Pay qui devrait prochainement arrivé, mais aussi il manque beaucoup de choses qui font que certains clients hésitent encore à y ouvrir un compte chez Nickel, puisque Nickel c'est à peu près ce qu'on pourrait dire une équivalence, voire une approche des banques traditionnelles classiques. Alors si vous vous sollicitez être multibancarisé, car il faut que je le rappelle, la multibancarisation c'est bien plus important que d'avoir un seul compte. Car si vous n'êtes pas multibancarisé, ouïouïouï, ça va chauffer pour vous.
Car la multibancarisation, c'est fait pour économiser ses frais, certes, mais c'est fait aussi en cas si votre carte bancaire ne fonctionne pas au terminal de paiement, d'avoir une carte de secours de suite. Mais c'est fait aussi en cas où les plus grands services bancaires diraient stop, notre confiance n'est plus de rigueur envers vous, qu'elle doit se retrouver une solution de suite et d'y mettre son argent si on est multibancarisé. Et de se voir se dire j'ai mon compte bloqué dans les plus grandes néobanques si on est un néobanque, de se redire que j'ai une solution de suite pour être partant dans la nouvelle néobanque et de ne pas attendre. Alors, le compte nickel nous sort encore une chose très intéressante, elle facilite encore la facilité d'y ouvrir un compte. Eh oui, le compte nickel s'ouvre directement soit par internet, on récupère la carte bancaire chez le buraliste avec 25 euros, puisque la carte orange vaut 25 euros à l'année, c'est deux fois moins cher que dans une banque traditionnelle classique, on y fait des économies, certes. On peut l'utiliser en compte secondaire, mais aussi on peut, comme 3,8 millions de clients, y faire un compte principal. Alors, le compte nickel, après l'avoir ouvert directement via le bureau de tabac ou directement via Internet, au bureau de tabac, vous avez la disponibilité via cette borne auquel vous vous connectez et vous êtes à l'ouverture de votre compte. Et sur Internet, assis à votre bureau ou sur votre canapé, vous ouvrez votre compte et vous allez récupérer votre carte bancaire chez le buraliste. Un simple passage de la carte d'identité, son smartphone chargé avec de la batterie, 25 euros et les codes reçus par SMS pour faire la finalisation du contrat et remettre le code pour que le pack vous soit remis. C'est tout ce dont vous avez besoin. Il y a pour les personnes étrangères plus de 190 passeports acceptés par Nickel, donc les étrangers peuvent y ouvrir un compte. Alors, bien sûr, il faut savoir que ces étrangers, il faut qu'ils disposent d'une adresse française. S'ils sont étrangers et qu'ils sont avec une carte de séjour ou un titre de transport, un titre de séjour ou un titre passeport, eh bien, ils pourront ouvrir un compte chez Nickel. Nickel va faciliter encore l'ouverture de compte, puisque après avoir ouvert soit sur Internet, soit au bureau de tabac, dans les 7500 points de buraliste, Nickel va donner encore cette possibilité, encore beaucoup plus grande que vous l'avez connue jusqu'à maintenant. Si vous n'êtes pas présent chez vous, que vous n'avez pas le temps car vous travaillez ou tout simplement vous avez des rendez-vous et que vous sollicitez ouvrir un compte absolument de suite pour y remettre vos ressources ou bien un compte tout de suite pour y avoir un compte secondaire, Nickel maintenant vous offre la possibilité d'y ouvrir un compte via Internet, tout Internet, sans avoir besoin de vous rendre chez le buraliste et de choisir la carte bancaire au choix que propose Nickel, soit la carte standard, soit la carte Chrome, soit la carte My Nickel, soit la carte métal. Le choix pourra être fait, mais Nickel ne vous demandera pas non plus de retourner chez le buraliste pour y récupérer la carte bancaire. Non, pas du tout. Celle-ci vous sera donc envoyée en 5 jours chez vous, sans même que vous ayez à aller chez le buraliste. Donc c'est une grande partie de Nickel de vous avoir ouvert les portes plus larges pour y ouvrir un compte. Si vous ne sollicitez pas aller chez le buraliste et récupérer de suite votre pack à 25 euros et que vous sollicitez avoir le choix des cartes bancaires, ben maintenant c'est fait, vous pouvez amplement ouvrir un compte depuis votre canapé chez vous sans avoir besoin de vous déplacer pour y récupérer le pack. Le pack vous sera disponible en 5 à 5 jours chez vous, 5 à 7 jours chez vous, sans même que vous ayez à vous déplacer. Car souvent, on n'a pas toujours le temps de se dire j'ouvre un compte, mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrais aller chez le buraliste. Là, ça sera directement chez vous. Et en plus, l'offre de votre choix pourra y être choisie. Alors, nickel ou pas nickel, maintenant que vous savez que l'ouverture de compte se fait plus largement,
que vous n'avez plus vraiment l'obligeance de vous rendre chez le buraliste, eh bien maintenant, vous savez ce qu'il vous reste. Nickel, compte principal ou compte secondaire? À vous de voir, c'est nickel, tout à fait, pour 25 euros, deux fois moins cher que dans les banques traditionnelles et classiques. Alors, sautez le pas, n'hésitez pas, vous aurez une approche des banques traditionnelles classiques si vous sollicitez quitter votre banque. Ou alors, ben, il ne vous restera plus que si vous ne sollicitez pas avoir le compte nickel, avoir ce large choix qui s'offre à vous maintenant, puisque certaines passent du côté des banques, ou d'autres sont ce que nous connaissons tous, nos fameuses banques en ligne. Alors, vous qui êtes interdit bancaire ou vous qui sollicitez les néobanques, nickel, sera-t-elle faite pour vous maintenant que vous pouvez ouvrir tout facilement un compte? À vous de voir. Donc, des questions, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.